Amis téléspectateurs, nous souhaitons bienvenue dans la troisième sortie Fenêtre Culturelle sur TNH qui te présente quelques titres pour nous partager avec vous. Si bon Dieu voulait Yuli, ce titre, un documentaire qui projeté dans Mardi Doc, dans Focal, mardi 28 mai, dans le cadre festival Nouvelle Vue d'Haïti. Après projection documentaire, ça, réalisateur et public là, t'es tombé une séance boucantaille l'idée sous différents aspects film là. Responsable Leg Édition exprimé satisfaction yo après première participation dans 11e édition Salon Livre Abidjan. Événement ça qui déroulé sorti 15 pour arriver 19 mai a te rassemblé plus passé une trentaine éditeurs francophones qui te brassé l'idée sous évolution domaine littérature dans espace francophone là. Production Théâtre Topato Fondation Moïse Sixto ak Musel apparaît pour lancer officiellement 4e édition Quinzaine internationale handicap et culture qui a déroulé sorti 1er pour arriver 15 juin qui a venu là. Rendez-vous après première pause nous pour développement titre ça ak en pilote encore. Pour vos cheveux naturels, je viens vous proposer NAD, une nouvelle gamme conçue spécifiquement pour des cheveux bouclés, frisés et crépus. NAD, c'est aussi un shampoing qui lave très bien le cuir chevelu sans piquer les yeux. C'est aussi un gel qui dessine et maintient les boucles. Avec NAD, le parfum est facultatif car toute la gamme sent divinement bon. Pour ce qui est du curl plus NAD, la crème coiffante hydrate est le produit essentiel parfait pour vous coiffer et maintenir vos cheveux en bonne santé. NAD fortifie, nourrit et apporte de la douceur aux cheveux. Adoptez aujourd'hui la gamme NAD, shampoing, gel, leave-in, traitement, conditionneur, crème coiffante, des produits qui ne contiennent aucun sulfate, sans parabènes, sans huile minérale. NAD, le meilleur traitement pour cheveux aussi bien pour les filles que les garçons. Les produits NAD sont disponibles partout en Haïti. Arrêtez de vous casser la tête à vous demander comment choisir une bonne université en Haïti. Je vous recommande le meilleur établissement universitaire du pays, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Jouer un travail pas facile ici. Pas gaspiller temps avec l'argent, non étudier n'importe côté. Université Saint-François d'Assise d'Haïti, c'est solution. Faculté de médecine. Faculté des sciences infirmières. Sciences de l'éducation. Faculté des sciences économiques et juridiques. Sciences informatiques. Faculté de génie. Faculté des sciences administratives et gestion des affaires. Faculté d'agronomie. Nous avons un programme diplôme tout. Laboratoire médical. Pharmacologie. Assistance administrative. Comptabilité informatisée. Technique bancaire. Informatique bureautique. Construction bâtiment. Technique douanière. Et puis, il y a un paquet d'autres options. La Faculté des sciences infirmières de l'Université Saint-François d'Assise d'Haïti est reconnue par le ministère de la Santé publique et de la population. Passez visiter dans une dans deux adresses. 1. Rue Famosa, Delma 33, au soit 4, rue Charbonnière, Delma 33, à côté de l'hôpital universitaire La Paix. Téléphone 34 23 62 54, 32 25 20 96 et 32 27 36 12. Ou qu'à inscrire sur site internet nous www.usfa.edu.ht. Reconnu par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Université Saint-François d'Assise d'Haïti, USFA. Partons vers l'excellence. Je fais musique depuis 47 ans. Je toujours fait l'axe aussi pour m'offrir ce qui est bon. Depuis tout le temps, je représente Haïti avec professionnalisme, avec dignité, tout côté sous la terre. C'est comme ça que je respecte le pays avec Frémio. Mais si nous piratons le travail, si nous refusons de payer pour le travail, c'est parce que nous ne respectons pas. C'est parce que nous ne parlons même. Et puis tout, chaque note que je compose, c'est une déclaration d'amour pour nous. Respecter le droit comme artiste pour nous continuer à nous tout ça que nous gagnons dans pour nous. Ou toujours sur télévision nationale d'Haïti ou à suivre troisième sortie Fenêtre Culturelle nous pour semaine ça. Bienvenue dans le développement Fenêtre.
Si bon Dieu voulait vous lire ce titre, un documentaire responsable Festival Nouvelle Vue Haïti, projeté 28 mai passé à Nafocal, dans le cadre du programme qui baptisé Madi Doclan. Documentaire ça qui racontait l'expérience haïtienne qui vivent dans le pays voisin, qui connaît en pile difficulté dans le programme régularisation étrangère. Travail tournage qui déroulé en République Dominicaine durait 9 mois. Après projection documentaire ça, réalisateur à public là, tête en main, yon séance boucantal l'idée sous différents aspects film ça. Un reportage qui signé Nixon Daverman. Si bon Dieu voulait yon li yon film 70 minutes, cinéaste Jean-Jean réalisé. Documenté ça présenté en jeu qui gagne dans processus régularisation papier migrants étrangers qui vivent dans la République Dominicaine. Yon li ce modèle personnage femme haïtien qui a vivé sans papier kay voisin depuis tantôt 35 l'année. Face à la décision autorité yon te prend, sous régularisation migrant yo sous territoire té initié yo li nan démarche pour jwenn papier terre ki bal droit reconnaissance et puis fonctionner libé yon exigence ki pa cadré ak décret 1929 nan loi pays a. Après toute péripétie li passé plus que la justice nan pays République Dominicaine té causé yon blocage nan aboutissement démarche yo. Finalement, petit li Jean-Jean ki tap vive nan pays Canada décidé rejoindre li nan seul objectif et des moments le joindre résultat à processus là. Tout ça c'était bien compté mal calculé. Dans dernière étape là, des marchés révélés, maman non résident. Réaction assistance là à réalisateur sur une série séquence dans documentaire faire rebondir l'idée discrimination dans niveau social. Rapport moun ak moun. Assistance là montre nécessité pour projection sa fait dans différents côtés dans pays là pour poser problème discrimination. Misère à son misère psychologique que vivre. Et l'esclavage, qu'on y a, son esclavage en temps moderne, qui prouvait qu'au début, c'est pas de noir et blanc que vivre vraiment. Nous voulons que vous ayez plus idée sémantique de sa esclavagie et de cette expédition chrétienne de bon Dieu. C'est tout ce qu'on s'est toujours dit. C'est pas l'Africain, c'est pas l'Europe, c'est tout le côté comme ça. Là, aucun plan national de régularisation, c'est que l'État dominicain il a commis une erreur en 2013, lançant sentence, les tribunaux constitutionnels pour dénationaliser tout Dominicain d'origine haïtienne. Et ça a provoqué tel scandale au niveau international, au niveau national, que nous décontentons, nous avons dit, en plein siècle 20e, on a entendu qu'il y a un apartheid dans la République dominicaine. Si documentaire a mis accent sur les difficultés qui gagnent dans le processus de régularisation des migrants étrangers dans le pays voisin, il levé voile tout sur une série d'idées qui pas claires et puis discriminatoires dans ce qui gagne à ouais avec relation des pays en pile autorité kay voisin mal ouais dans solidarité qui ta doit exister dans mitan des peuples sayo qui partagent même zile. Toujours dans le micro, Nixon Daverman, responsable communication Festival Nouvelle Vie, Samuel Dufresne, fait qu'on ait mission yo c'est revendiquer réouverture sa cinéma en Haïti. Il fait un rallye sous diverses projections yo fait pendant 5 jours de déroulement festival là. Responsable a montré diverses façons cinéma qu'a tourné une industrie rentable en Haïti. Pendant montrer nécessité pour Haïti et République Dominicaine travailler ensemble dans domaine ça. N'a permet tout suivre. On a revendiqué la réouverture de salles de cinéma et nous faisons des projections sur place, notamment avec ceux de façade dans certaines salles de cinéma. Il y a des possibilités pour nous remonter avec le cinéma. Il y a des possibilités si seulement si nous d'accord structurer ça nous gagne, nous d'accord structurer l'industrie cinéma, c'est-à-dire créer l'école, créer subvention de l'État pour accompagner les cinéastes, créer salle de cinéma. Donc, si nous arrivons à créer un système par rapport à ça, nous avons la possibilité de d'industrie de cinéma en Haïti. Donc, nous avons projeté de films dominicains avec de regards très poussés, de cinématographie très poussée, de scénarios très poussés, et tout qui, avec un pile film dominicain qui vient de Haïtien qui a joué là-dedans, et un pile film dominicain tout qui vient de histoire Haïti qui coulait là-dedans. Donc, je dis à la République dominicaine, mettez Haïti dans le cinéma. Donc, Haïti a un gros rôle ou bien une grosse place dans le cinéma en République dominicaine. Nous posons peut-être une question pour qui ça, je dis à Haïtien, ou bien le cinéma haïtien, pas qu'à tout, font échange avec la République dominicaine. Et nous dit que c'est peut-être seul moyen, ou bien nous dit pas seul, mais parce que c'est un moyen qui gagne pour deux pays, ça, qui si même Zilea,
d'être l'autre et parler à l'autre. Jean ça a été annoncé dans grand titre Leg édition participé dans 11e édition salon livre Abidjan dans pays Côte d'Ivoire sorti 15 pour arriver 19 mai passé. C'était occasion pour représentant entreprise ça raconter et puis pour conter expérience avec l'autre éditeur qui a évolué dans espace francophone là. Responsable Leg édition yo dressé un bilan positif sur première participation yo dans gros événement littéraire ça. N'ap invite au suivre avec Fedlin Saïd Toussaint. Activité ça te réuni plusieurs éditeurs qui sont plusieurs côtés dans monde là dans palais Kilti Bernard Adier. C'est Alliance internationale pour éditeurs indépendants et association éditeurs ivoiriens yo qui organisait salon livre là. Un événement qui mettait à l'honneur une écrivaine ivoirienne qui fête dans le pays la France qui relève Véronique Tadjo. Pour première participation dans l'événement ça, Myrline Pierre t'a exposé différents titres qui sont dans l'ex édition. Cinq là-dedans yo t'a attiré attention un groupe qui en Afrique qui relève AfriLive. Myrline Pierre pas de cacher satisfaction face à expérience ça parce que activité ça offre l'occasion pour rencontrer plusieurs éditeurs francophones et puis discuter sous possibilité qui t'a ka gagner sous collaboration ou même une coédition pour quelques titres spécifiques. Environ 30 éditeurs qui sont dans 16 pays francophonie te marqué présence dans un grand événement littéraire ça. Et c'est sous information Leg édition ça n'a prend deuxième pause nous n'a évité rester branché. Hey, pas ta parler. Oh, Joël. Mes amis. Oh. Ti Joël, où est ça qui vous connait? Lumière rouge, c'est pour piétons. Machine campée, laisse ça tout le monde traverser. Mais là, lumière verte, c'est pour machine. Machine montée, machine descend, monde campé, bye machine passée. Et pour apprendre à garder lumière, on traverser là. Où est ça qui vous aujourd'hui? Respectez les règlements de la circulation. C'est normal. La loi est dure, mais c'est la loi. Cassandra, Julia, Jessica, c'est trois jeunes étudiants qui gagnent pile passion pour musique, surtout pour rap et compas. Trois jeunes mesdames Sayo gagnent habitude, marcher dans la rue avec téléphone, castant oreilles, chat avec des amis, sans ne pas avoir aucune attention à monde qui est dans l'environnement. Cassandra, Julia, Jessica, pas de jambes penser un jour à mal qui t'a arrivé dans la vie. Voilà. Est-ce que vous même tout pensez à conséquences ça qu'a gagné sur la vie? L'on choisit utiliser téléphone n'importe qui façon pendant la rue. On suspend mauvaise habitude ça yo pendant utiliser téléphone. C'est un message Radio Télévision Nationale d'Haïti ak Zoom Entertainment. Nous retournons après pause là avant d'aller plus loin, invite vous monter sur Facebook, cliquer fenêtre culturelle et puis like page là. Comme ça, on a arrêté, puis connecté et puis prêt. L'autre information dans la fenêtre là, association Musel cap travail pour faire promotion femme dans le pays. Mardi 28, l'on a lancé un site web dans objectif pour valoriser travail femme à réaliser dans tout domaine. Institution ça cap célébrer deuxième année existence li, déjà satisfait pour travail réalisé. Invite au suivre. Musel sont association de 12 personnes. 8 filles, 4 garçons qui forment d'universitaires, de professionnels et de monde qui est habitué à écrire, publier livres, qui baillent tête comme mission valoriser sa femme écrit. En fait, nous existons depuis 2 ans, même si nous pouvons faire de grandes apparitions publiques. En fait, depuis mai 2017, nous avons commencé avec des réflexions pour nous voir qui meilleure façon pour nous faire valoir sa femme écrit. Et puis c'est comme ça que nous avons commencé justement tout simplement avec une page Facebook qui était publié des poèmes d'afro-caribéennes et antillaises. Et puis depuis septembre de l'année dernière, nous avons passé à une autre étape côté nous avons fait un concours de poésie, que nous avons les concours Petro Poésie Challenge, côté nous avons 3 gagnantes. Mardi 28 mai, nous avons passé à une autre étape qui est le lancement officiel, un site internet qui est capable de son vitrine web de publication et de vulgarisation de sa mesdames produits, que ce soit au niveau de la science, de la littérature, ou ce soit des textes journalistiques et que nous mettons écriture ça en valeur.
pour nous capables d'avoir accès à ce site-là, nous avons juste tapé www.musedesles.org qui c'est site musée là, mais tout nous capables d'aller sur page Facebook musée là qui écrit MUS_E2LES côté n'a plus jeune lien site là tout. Puis nous avons numéro de contact qui c'est 37 04 67 72 que nous capables briller là-dedans. Production Théâtre Tout Partout Fondation Maurice Sixto ak Musel apparaît pour lancer officiellement 4e édition Quinzaine Internationale Handicap et Culture lan cap déroulé sorti 1er pour arriver 15 juin cap vini là. Atelier peinti, écriture, chant, expression scénique ak théâtre, c'est ensemble activité qui prévoit dans agenda quinzaine ça cap fête dans Ville Jacmel, Port-au-Prince ak Gonaïve. N'a pas invité au suivre. C'est sous l'obédience en production théâtre tout partout à Nessa, Quinzaine Internationale Handicap Akinti apparaît pour réaliser une autre fois encore avec tout le monde handicapé. Manifestation qui tire ça qui prévoit dérouler dans différentes grandes villes, parmi eux Port-au-Prince, Jacmel et Gonaïve, à occasion pour organisateurs profiter et rendre hommage à l'audience Maurice Sisto à travers une rubrique qui baptisée Sisto pour inclusion. Activité qui tire ça qui sont espace expression artistique. À occasion tout pour plusieurs monde handicapés bénéficier formation dans différents domaines tant que peinture, théâtre et danse. Nous gagnons une programmation qui assez chargée côté nous gagnons des causeries, nous gagnons j'aime te rappeler l'atelier de peinture, nous gagnons conférences débat, nous gagnons atelier de conte. Nous avons un spectacle de rue. De juin, nous avons des mouvements scéniques ensemble avec Johnny Zéphirin, qui est directeur artistique et Quinzaine Handicap et Culture. Et que dans une semaine, nous avons même activité ça toujours, c'est à Port-au-Prince. Et puis, nous avons le lundi 3 au jeudi 6 juin, nous avons deux activités principales qui sont faites, qui sont atelier corps chantant, qui sont un atelier d'expression corporelle et de chant. N'a clôturé son note festive ensemble avec Cindy Pierre-Louis qui a dit des contes. Nous avons le chanteur Keb Bastien qui est assez connu parmi Génération Nord. Et puis nous avons tout Tiffane et Stéphanie Séjour qui a clôturé l'activité ça dans le restaurant Yavalou. Une manifestation qui tire là qui promet un pile couleur artistique côté public là pour avoir une chance d'apprécier le talent mon handicapé. Pendant y a profité fait en dévoyo. Et voilà amis téléspectateurs, nous revenons faire fenêtre là avant d'aller n'a rappeler quelques titres nous t'ai partagé avec vous. Si bon Dieu voulait youli ce titre un documentaire qui projeté dans Mardi Doc dans Focal mardi 28 mai dans cadre festival Nouvelle Vue d'Haïti. Après projection documentaire ça réalisateur et public là t'est tombé une séance boucantail l'idée sous différents aspects film là. Responsable Leg Édition exprimé satisfaction yo après première participation dans 11e édition Salon Livre Abidjan. Événement ça qui déroulé sorti 15 pour arriver 19 mai, té rassemblé plus passé yon trentaine éditeurs francophones qui té brassé l'idée sous évolution domaine littérature dans espace francophone là. Production Théâtre Tout Partout Fondation Moïc Sixto ak Musel apparaît pour lancer officiellement 4e édition Quinzaine Internationale Handicap et Culture cap déroulé sorti 1er pour arriver 15 juin cap vini là. Et voilà amis téléspectateurs, nous casser rendez-vous avec vous pour une autre édition Fenêtre Culturelle. Bye bye tout le monde.